Après un NBA 2K11 exceptionnel, qui a d'ailleurs obligé Electronic Arts à mettre sa licence NBA Live de côté, 2K Games est de retour avec un NBA 2K12 toujours plus ambitieux. Après Michael Jordan l'année dernière, 2K Games se paye cette année les services de nouveaux parrains, tels que Magic Johnson et Larry Bird. Mais d'autres surprises attendent les fans de basket virtuel. En effet, d'autres légendes de la discipline ont droit également à leur quart d'heure de gloire. En vrac, vous retrouverez Hakeem Olajuwon, Wilt Chamberlain, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, Scottie Pippen ou bien encore Karim Abdul-Jabbar pour ne citer que. Chacune de ces stars, elles sont 15 au total, se retrouve ainsi dans le mode légende qui nous permet de revivre les meilleurs moments de leur carrière. Un casting d'une grande classe qui ne manquera pas de titiller la fibre nostalgique des joueurs trentenaires et plus. Les développeurs de Visual Concept ont poussé le fanservice encore plus loin en proposant un habillage spécifique en fonction de l'époque. Dans les années 60, par exemple, l'image s'affiche en noir et blanc avec tous les défauts pelliculaires que l'on connaît, tandis que dans les années 70, le téléviseur affiche un grain d'image assez prononcé et une teinte proche du sépia. Le son des commentateurs est lui aussi d'époque, avec des crépitements qui nous immergent littéralement dans l'ambiance. Mieux encore, les basketteurs portent leur maillot d'époque, plus court et plus saillant, de la même façon que les règles d'antan ont été respectées, comme l'absence de ligne de 3 points dans les années 60 ou un lancer franc limité à un seul tir. Autant vous dire que les concepteurs ont soigné leur jeu à tous les niveaux afin d'être irréprochables. Graphiquement d'ailleurs, NBA 2K12 reste le plus beau jeu de basket à l'heure actuelle, avec un ensemble de cohérence affolante. Comme d'habitude, l'accent a été mis sur les animations et le public est toujours aussi vivant, donnant le sentiment d'avoir affaire à une véritable retransmission télévisuelle. Dommage en revanche que malgré le succès de la franchise en France, l'éditeur ne se donne pas la peine de doubler les commentaires en français. Quoi qu'il arrive, c'est au niveau du gameplay que le titre de 2K Games met tout le monde d'accord. Chaque épisode a beau repousser les limites du réalisme au niveau des actions, Visual Concept a encore trouvé un moyen de rendre les gestes encore plus techniques. C'est en effet le jeu dos au panier qui a été amélioré dans NBA 2K12, permettant plus de feintes et ainsi d'approcher le panier plus facilement. L'autre point fort du titre réside évidemment dans son contenu, toujours aussi exhaustif, et qui permet de s'amuser jusqu'à l'arrivée du prochain épisode l'année prochaine. La note jeu actu, 18/20.